Dans le camp, on se levait de très bonne heure, il fallait courir pour voir s'il lavait. Et il y avait toujours problème qu'on n'avait pas de quoi s'essuyer. Et puis on allait dans le noir, en hiver c'était encore noir, et chercher le groupe qui appartenait ma baraque. Et souvent j'avais peur de me tromper. Enfin, c'était déjà un peu. Et alors, il y avait l'appel du matin, durait 1 heure et demie, tous debout. On nous comptait. Le matin, on nous donnait le pain. Je ne sais pas si c'était 250 grammes ou plus, je ne me rappelle pas. Et il y avait aussi une liqueur noire. Quelque chose qu'ils appelaient café, mais moi, au début, on ne la touchait pas. Après, plus tard, on touchait. Et puis, au travail, on donnait une soupe. Une soupe qui était de l'eau avec un peu de verre, quelque chose de salade, je ne sais pas. Qu'au début, une personne ne la prenait. Mais plus tard, même avec tous les suppléments de pain que j'avais, j'étais absolument, j'ai accepté cette soupe aussi. Non seulement moi, mais il y avait là-bas quelques ouvriers qui me donnaient leur soupe à eux. C'était toujours la même soupe, mais ça ne les intéressait pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Dans le camp, il y avait quelqu'un qui faisait des gamelles pour... contre le pain, toujours. J'en ai commandé une à quelques litres, énorme. J'ai dépensé beaucoup de pain, hein? Mais quand j'allais au travail, j'ai demandé à l'un, à l'autre, donnez-moi cette soupe, malgré que la soupe était absolument sans. Pour nous, j'ai bu 5 litres, je me rappelle, du coup. Tellement c'était toujours question de faim, même avec ce que je gagnais. Est-ce qu'il vous Ah donnait oui, quelque le chose à faire? soir, c'était la soupe principale, la soupe principale. Et ça, c'était le vrai nourrisson. Elle était bonne. Parfois, même il y avait un bout de pomme de terre, alors chacun disait, oh, grande. Ça, on l'aimait beaucoup et elle était bonne. Je ne sais pas pourquoi, mais elle était bonne. Et c'était fini. De l'eau, rien, pas d'eau. Hein. Toujours, quand on est arrivé les premiers jours, on avait soif. Alors, on cherchait la neige et on nous frappait parce que c'était défendu. Défendu de boire, il y avait de l'eau là, mais c'était l'eau non potable. Alors ni neige, ni eau potable.